participants. Pour le dire également, c'est un grand plaisir pour moi. J'ai été honoré pour faire partie de ce panel, discuter, échanger sur les semences. C'est un plaisir pour moi de parler de la science, mais également parler des semences. Pourquoi? Parce que ce matin, dans mon discours, dans les discours des autres, nous avons parlé de la problématique de l'agriculture de façon globale, dans un environnement qui ne permet plus de répondre, je veux dire, aux besoins des producteurs, c'est-à-dire atteindre les résultats escomptés, c'est-à-dire les rendements des variétés qui sont en cours aujourd'hui ne permettent plus d'obtenir les rendements que nous attendons. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte dégradation de nos terres, mais également il y a un problème qui se pose, c'est-à-dire problème d'eau, des problèmes d'espèces hydriques, etc. Et qui parle d'abord de l'agriculture commence d'abord par boire. C'est vrai, pour développer l'agriculture, d'abord, il faut des intrants. Les intrants, c'est quoi? Ce sont les semences, ce sont les pesticides, c'est l'engrais, c'est le fumier. Il nous faut également la maîtrise de l'eau. Mais pourquoi moi je dis quand je parle des semences, je suis content? Parce que c'est le moins crucial. Pour démarrer, on ne peut pas faire de l'agriculture sans semences. On ne peut pas faire de l'agriculture sans semences. Donc on parle d'abord des semences. Mais c'est important de connaître d'abord qu'est-ce qu'une semence. Parce que depuis que l'agriculture existe, depuis que l'homme s'est sédentarisé et passe à la production, depuis l'homme a commencé à utiliser des graines pour faire de la semence. Donc par définition simple, et par ma définition si vous voulez bien, considère qu'une semence est une toute graine qui permettrait la multiplication d'une plante. Et dans le maintien, bien entendu, des caractéristiques de cette plante, en assurant, bien entendu, quantitativement, mais qualitativement. Et souvent, quand on parle de semences de qualité. Mais logiquement, si on parle de semences, on ne devrait pas parler de qualité. Parce que dès qu'on parle de semences, ça veut dire qu'il y a le mot qualité qui doit être à l'intérieur. C'est-à-dire que ça doit être une graine apte. Sinon, si ce n'est pas apte, ce n'est plus une semence. Donc, parler de semences de qualité, moi, c'est du prémonage, parce qu'on n'en a plus besoin. Parce qu'une semence, telle que l'on le dit, doit permettre, doit jouer son rôle. Son rôle, c'est quoi? C'est de permettre une production. Et une production, comment? Intéressante du point de vue quantitatif, également du point de vue qualitatif. Donc, la question qu'on se pose, qui est compétent donc pour produire une semence? Puisque j'ai dit, avec ma définition qui est toute simple, donc toute personne qui dans ce cas est apte à produire cette graine, donc peut être considérée comme un producteur de semences. Dans ce cas, on peut dire que toute personne apte donc à répondre à ce critère peut être considérée comme un producteur de semences. Mais l'environnement de production a fait de telle sorte que nous avons besoin d'améliorer les semences. Et si on parle de l'amélioration, nous aurons besoin des outils technologiques, scientifiques, adaptés. Et l'outil la plus utilisée aujourd'hui, c'est la biotechnologie, les biotechnologies, qui nous permettent d'améliorer la semence. Mais améliorer par rapport à des objectifs. Quand on dit améliorer, c'est par rapport à quelque chose. On peut améliorer par rapport à la qualité nutritive, je veux dire. Et je fais allusion quand on parle de la nutrition aujourd'hui. On peut augmenter la qualité nutritive de ces graines pour permettre une production de qualité, c'est-à-dire des aliments riches en micronutriments, tels que le verre, le zinc, le fer, la vitamine, etc. Ça, la biotechnologie permet ces avantages. Donc, du coup, je veux parler par là des avantages de la biotechnologie. Parce que tout à l'heure, quand j'ai dit tout un chacun pour produire la semence, mais il s'est arrivé que si on se parle de la chaîne de production de semences, on se trouve avec différents moyens. On va parler de la production proprement dite,
on va parler du stockage, on va parler de la distribution. Qui parle de toute cette chaîne, bien évidemment, va mettre en place des dispositions réglementaires, c'est-à-dire une législation. Et donc, c'est juste la législation qui va en réalité distinguer les différents types de producteurs de semences, s'il vous plaît. Je dis bien la législation, parce que moi, la question que je pose, je dis qui peut produire, je dis que tout le monde peut produire. Mais puisqu'il y a une chaîne qu'il faut respecter avec des conditions bien définies, donc il y a une loi qui sera peut-être mise en place pour respecter certaines conditions. Et tout à l'heure, j'ai parlé de la mélioration de la semence. Avec la biotechnologie qui nous permet bien entendu d'avoir certains avantages, j'ai parlé sur le plan alimentaire, mais également sur le plan écologique, environnemental, par rapport aux conditions, aux changements que nous observons. C'est-à-dire essayer de produire des plants résistants par rapport à un phénomène. Je ne peux pas tout citer, mais des exemples, la chaleur, mais également le manque d'eau, ce qu'on appelle le stress hydrique. Donc, la biotechnologie va nous permettre de produire des avantages par rapport à ces produits. Mais également, on peut produire des semences améliorées par rapport à quoi? Toujours, j'ai dit, besoin spécifique. Moi, j'ai mon objectif. Voilà ce que je veux faire. Il y a des maladies, certes. Moi, je me suis dit que je vais produire des variétés résistantes par rapport aux maladies. Des variétés également résistantes par rapport aux insectes. Et dans ce cas, c'est toujours dans des semences, mais des semences améliorées en utilisant bien entendu la biotechnologie. Et si on continue, vous allez vous rendre compte toujours, la biotechnologie est là pour pouvoir améliorer. Imaginez-vous, je donne un exemple d'une plante qui, pour produire, il fallait rester 20 ans pour produire son fruit. Avec la biotechnologie, on peut travailler de telle sorte qu'on peut raccourcir jusqu'à 5 ans, voire 3 ans pour produire. Qu'est-ce qui permet? C'est toujours la biotechnologie. Je peux également orienter ma production. Comment? J'ai dit, je produis par exemple du fourrage, c'est-à-dire de la biomasse. Je n'ai pas besoin de graines, mais je peux faire de telle sorte également avec l'outil, cet outil, produire des plantes adaptées pour une production de fourrage en qualité. Et en qualité, et par cela, vous allez entendre des variétés de semences fourragères, le ñebe fourragère, le mil fourragère, etc., etc. Et ça, dans ce cas, qu'est-ce qui me permet de faire? C'est la biotechnologie. Si je continue à donner des exemples, je vais passer toute la journée à donner des exemples. Si c'est possible aujourd'hui de cultiver le riz, aujourd'hui dans certains coins du pays, parce qu'avant, il y avait que le riz irrigué, mais aujourd'hui on parle de riz de plat. C'est quoi? Donc vous allez vous rendre compte que le riz maintenant est cultivé dans le bassin arachidier. Et ça arrive, peut-être, bientôt ça va être cultivé un peu partout au Sénégal, et ceci c'est grâce à la biotechnologie. Je me rappelle, il y a cela 2 ou 3 ans, quand il y a le problème retard de pluie, il fallait trouver des variétés adaptées, donc des cycles, des variétés à cycle court qui peuvent produire en un temps record avec une faible pluie. Et là, il fallait se miser sur des variétés également à court cycle. Donc, par rapport au milieu, l'environnement et l'objectif, nous avons toujours la possibilité de réaliser notre production. Ok? Mais, toute chose qui présente son avantage, certes, il y a des inconvénients. Mais ce que je voudrais qu'on distingue, c'est entre semences, c'est entre la biotechnologie et les OGM. Ce n'est pas parce que nous avons produit des semences qui ont été améliorées qu'il s'agit des OGM. C'est très différent. Même le producteur a fait ce qu'on appelle la sélection. Il y a la sélection massale où il fallait sélectionner des graines. Il n'y a pas une personne, même le paysan, il fait de la sélection. Pour orienter, je veux dire, les gènes de façon à faire exprimer certains gènes pour une caractéristique bien ciblée. Mais souvent, dans nos débats, nos discussions, quand on parle de biotechnologie, on oriente vers les OGM. Et biotechnologie ne veut pas dire OGM. Parce que la biotechnologie permet dans un temps record de produire, de cultiver le maximum de semences, surtout les plants. Si moi j'avais à produire des plants de bananes, dans le laboratoire moi, que je dirige aujourd'hui, on peut produire en autant des milliers de plants de bananes.
Alors que au champ, on devrait produire à partir de ce qu'on appelle les régions, c'est-à-dire les bifs, qui mangent le temps qu'il faudra. Créer également la résistance, c'est-à-dire une plante qui est là, qui est cultivée, semée en moins d'un, il va perdre sa qualité. Et pour éviter tout ça, là, la biotechnologie nous permet de gérer notre germoplasme, c'est-à-dire les caractéristiques originales de notre plante. Maintenant, les inconvénients, comme je l'ai tantôt dit, la plus forte, je veux dire, le plus fort inconvénient, c'est quoi? C'est la dépendance. Parce que dès qu'on parle de l'organisation de la semence, ce n'est pas tout le monde qui prend un produit. Donc, on va considérer que le producteur de ses prix n'est plus un producteur de semences. Mais puisqu'il va cultiver, il n'a pas le droit de produire de semences. Est-ce qu'il n'est pas dépendant? Il est dépendant. Dans ce cas, il devient dépendant du système. Et comment? Et qui produisent? Et en réalité, ce sont des firmes, de grandes firmes qui ont les outils, les moyens qui permettent dans ce cas de produire ces semences. Néanmoins, il y a des personnes agréées pour également prendre le relais, faire la production, assurer le stock, assurer la distribution. Mais souvent, là, les moyens qui font le fait. Donc, l'inconvénient déjà majeur, c'est quoi? C'est une dépendance des producteurs par rapport à des semences. Mais nous sommes toujours obligés. Pourquoi? Parce que dans le domaine de l'horticulture, le maraîchage, la situation est beaucoup plus difficile. Et là, on est obligé de s'appuyer sur la biotechnologie pour avoir nos semences. Pourquoi? Si je prends l'exemple de la lupine, peut-être les conditions environnementales nous permettent d'obtenir ces semences. Donc il fallait agir, travailler avec la recherche pour pouvoir produire des variétés adaptées par rapport à nos conditions. Mais sans cela, nous sommes obligés toujours d'importer ces semences. Et la grande partie de ces semences sont toujours importées. Là, toujours, ce sont des inconvénients qui sont là. Je pense dès que je parle de cette disponibilité, de cette accessibilité de ces semences, et on va parler de la souveraineté alimentaire, il se pose dans mon corps. Et du coup, il y a l'autre côté des semences qui sont produites par le producteur. La grande question, est-ce qu'on accepte de ce qu'a produit le producteur? Et comme vous posez nos anciens toujours, c'est de la semence. Moi, personnellement, je dis oui, mais c'est mon appréciation personnelle. Parce que je ne vais pas également pousser le producteur à être dépendant de moi. Ça, moi, il n'y a pas de production. Non. Mais peut-être si vous êtes dans les dispositions de pouvoir satisfaire la demande, je dirais que donc, vous pouvez arrêter votre production parce que je pourrais vous garantir la qualité et la catégorie que vous avez besoin. Maintenant, est-ce que cette semence produite permet d'atteindre les rendements? Oui ou non? Mais dans une situation où le producteur s'est obligé de cultiver, de se ravitailler en semence, je pense bien, il devrait, je dis bien, il devrait, parce qu'il n'a pas jusqu'à prendre le droit. Il devrait, je dis bien. Mais on lui permet vraiment de produire ses propres semences. Donc dans ce cas, c'est une souveraineté. Et ça nous permet également de garder nos variétés locales. Et si je continue également à citer des exemples, des avantages, il y en aura toujours. Et les inconvénients également, peut-être certaines variétés, ils risquent de perdre certaines caractéristiques, c'est-à-dire certains critères dont on cherche au niveau de la plante, par rapport à certains phénomènes qu'il ne prend pas en compte, tels que les distances entre les parcelles de production de semences, les distances également, quels sont les intrants suffisants pour satisfaire. Parce qu'il faut que la graine soit bien remplie. Etc., etc. Donc il peut y avoir des inconvénients. Mais tout ceci ne va pas dire que ce qu'il a produit n'est pas produit de semences. Maintenant, pour conclure, moi je vous pose cette question. Aujourd'hui, est-ce que le dispositif qui est mis en place permet de répondre à la demande nationale en semences pour la souveraineté alimentaire? Bien entendu, en s'appuyant sur ce que nous voulons promouvoir, c'est-à-dire l'agroécologie. Je ne vais pas dire non, mais je ne vais pas dire également oui, mais je vais nuancer. Mais ce que je puisse dire, c'est qu'il y a des efforts de part et d'autre. Aussi bien la biotechnologie avec la recherche des acteurs, avec l'accompagnement de l'État, il y a des efforts qui sont faits pour mettre à la disposition des producteurs des semences de qualité. Et également de l'autre côté, le producteur, toujours, qu'il nous le dise et qu'il ne le dit pas, il est en train également de s'activer pour produire ses propres semences pour satisfaire ses besoins. Donc moi,
à mon avis, un humble avis, je vais dire, par rapport au contexte actuel et de la situation, est-ce qu'il ne serait pas préférable d'associer les deux types de production de ces enfants? C'est ma recommandation, et je dis bien une forte recommandation, pour que chacun de nous puisse s'en retrouver jusqu'à un moment où on arrivera à maîtriser la chaîne de production de semences qui permettra de garantir de la semence pour tout producteur et productrice du pays. Mais tant qu'on n'est pas arrivé à cette organisation, à ce schéma, je pense bien qu'on peut associer les deux à la fois pour répondre à la demande. Puisqu'il ne s'agit pas d'une présentation, c'est pour juste exciter le débat. Comme l'a dit le modérateur, ce sont des échanges qui nous permettra vraiment de trouver peut-être la meilleure formule et qui permettra également au festival de poursuivre cette sensibilisation autour de la production de semences, mais tout en préservant notre environnement à travers l'agroécologie. Voilà ce que j'avais à partager avec vous et je vous remercie.